Tout de suite, eh bien, on va retrouver Hélène Gâteau. Elle vous a dit qu'il y a des spécificités uniquement pour Midi en France, pour vous qui nous regardez. Regardez l'attelage, Hélène, tu y es. Tu Oui. es sur le cirque Équin, me semble-t-il. Et le cheval Ardennais n'est pas loin. Et le cheval ardennais est juste là, regardez. Elle s'appelle Victoire. C'est une jument de trait ardennaise et qui est conduite par Nathalie, une éleveuse de cette race. Alors, le cheval de trait ardennais fait partie des 7 races de chevaux de trait de France. On dit que c'est potentiellement la plus ancienne race de chevaux de trait. Magnifique, hein, voyez-vous. Et alors, elle a été harnachée avec un collier que l'on appelle un collier à pointe et des couleurs, hein, une spécificité qui ressemble un peu au folklore un peu allemand-autrichien. Donc les frontières aussi sont meubles quand on parle des races de chevaux et quand on parle justement d'attelage. Alors en l'occurrence, on va vous montrer en quoi consiste la traction avec ces chevaux de trait. Je vais tout de suite prendre place sur le traîneau car la traction, eh bien, fait partie des épreuves que l'on peut voir ici au Salon de l'Agriculture. Alors, encore une fois, ça fait partie du folklore, mais c'est important d'avoir ce folklore pour pouvoir conserver des races qui, eh bien, sinon pourraient tout simplement disparaître. Alors, au cours de ces épreuves de traction, alors là, voyez-vous, par exemple, on va passer entre des cônes et nous allons, eh bien, charger d'autres candidats, d'autres représentants d'ailleurs de la race. Alors, ces épreuves permettent de juger de la traction de l'animal, de sa force, de sa puissance, mais également de son écoute. Voilà, c'est parti! De son écoute, de sa précision, car il faut passer entre des cônes. Il y a également des étapes où il y a comme des charnières, des travaux vraiment de précision. Donc, ce sont toutes ces qualités que l'on voit au cours de cette discipline. Et puis, voyez-vous, c'est quand même beau, hein, de voir un attelage de ce type avec un cheval qui est capable de tracter, là en l'occurrence, 250 kilos quand même. Donc, on voit les efforts que ces animaux sont capables de faire. Très utile quand on est, par exemple, vous savez, dans le débardage en forêt ou bien dans les vignes aussi. Ce sont des nouvelles utilisations que l'on a autour du cheval. Et puis là, l'arrêt de 20 secondes, très important aussi, où l'on voit la patience du cheval et sa capacité à rester stoïque pendant 20 secondes. Je vous retrouve tout à l'heure en tout cas. Merci Hélène. Merci Hélène Gâteau, notre veto. Vous imaginez que c'est un peu son festival quand même, tout au long de la semaine. Et dimanche aussi, puisqu'on aura plaisir de se retrouver, je vous en parlerai tout à l'heure, à 15h25 pour une émission spéciale avec les coulisses. Évidemment, le meilleur ici de ce salon de l'agriculture.